Nous avons décidé volontairement, conscient des enjeux du pays, conscient de tous les efforts que le professeur Alpha Condé est en train de déployer pour faire de la Guinée le pays émergent dans le concert de la solution. Nous avons décidé, mes collègues ici présents et moi, d'accompagner son action, puisque c'est un homme précieux. Il conduit la locomotive guinée vers le progrès. Nous joignons nos roues à cette locomotive pour accélérer le cours de l'histoire de la Guinée. C'est une approche volontariste qui n'a rien de circonstanciel. Je dois vous livrer. Je le disais devant un témoin il y a quelques jours. C'est vrai, je veux le pouvoir pour la Guinée, dans ce pays. Mais si je veux le pouvoir pour le bonheur du peuple guinéen, je renonce au pouvoir pour laisser le professeur Alpha conduire. C'est en conviction. L'énergie qu'il a, je ne l'ai pas. Le sacrifice, le don de soi qu'il fait, je ne l'ai pas. C'est pas un langage diplomatique, c'est une réalité. Les Guinéens comprendront. Vous savez, c'est l'histoire est têtue. Quelle que soit l'habilité des hommes pour casser la réalité, l'histoire, avec le recul, retient les faits. Dois-je rappeler que pour cette notre histoire, malgré tout ce qu'on a dit de Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée retiendra, l'Afrique retiendra, le monde retiendra qu'il aura été.